Mesdames et messieurs, petits et grands, on se retrouve pour la suite de nos aventures dans The Wild at Heart. On était en train d'essayer de récupérer des artefacts avec Waity et Kirby, et on s'en tirait pas trop mal pour celui qu'on est en train de faire. On va essayer de le récupérer. Petit temps de chargement un petit peu long. Donc on était ici. Et ce qu'on cherchait, il y a une chose ici, par là, et on était en train de débloquer le chemin pour aller par là. On voit qu'il y a aussi quelque chose par là. On va y retourner. On récupère quelques graines. Ici, il faudra qu'on voit ce qu'on peut faire. C'est vrai qu'on n'a pas du tout regardé cette chose-là. J'ai l'impression que du coup, le fait que j'ai rechargé la partie, ça nous a redébloqué. Donc il nous faut Kirby. Non, j'ai pas besoin de Kirby en fait, juste à grimper. Avec Wake, ça suffira. C'est bon pour celui-là. Et j'ai cru entendre la petite musique qui nous dit que c'est bon pour l'autre. Tiens. On a laissé des choses. Donc, soit ça n'a pas fonctionné. Donc ici, il y a un chat. J'ai dit la dernière fois qu'on n'arrivait pas. Hop. Voilà. À interagir avec ce chat. Ce qu'on peut peut-être faire, c'est péter son rocher. Je sais pas si c'est très intelligent, mais ça pourrait être une solution. Et en fait, je vois surtout que la caisse, il faut y accéder par l'autre côté. Je vais quand même essayer du coup, hein. On est là pour ça. On la lance. On lance un farfelin dessus. Un peu plus violemment. Voilà. Revenez les gars. C'est ça. Bon, j'aurais peut-être pu le poser un peu mieux pour que ça explose ça également. C'est pas très grave, on va. Est-ce que je peux leur positionner en l'aspirant? Je peux leur positionner en l'aspirant. J'aimerais qu'ils viennent par là. En fait, visiblement, cette chose-là. Je peux pas la prendre. Je sais pas pourquoi. Et je peux plus récupérer ma bouillotte. On fait des tests, c'est pas grave. J'aurais bien aimé récupérer cette chose là. Oui, sachant que.
Bah, sachant que du coup, je sais pas ce que c'est. Je vais voir si je peux faire exploser. Tout de même, voilà. Voilà. Comment on aurait pu ça sur les pattes? Mais non, du coup, je sais pas comment on peut ramasser cette petite sève. Tant pis pour nous. On va du coup essayer de gérer ça. Il nous faut des givrelins. Non, des givrelins. C'est parfois un peu relou quand ça veut. Faut vraiment le bon angle. Voilà, j'ai 8 givrelins de ce côté. Maintenant, comment j'y amène Kirby et Wake? Alors, est-ce que Kirby peut nous faire des choses avec ça? Il y aura une statue, en fait. Excusez-moi. Et surtout, on entend le loup qui fait ouf. Donc on va se poser ici au niveau du camp tranquillement. On ne peut pas malheureusement dormir. On va donc examiner cette carte et voir ce qu'on peut faire. A priori, on pourrait peut-être passer par là. Il y a un tuyau ici. Je ne sais pas s'il va nous permettre de remonter. Mais je dirais bien que là et là, ça doit être relié. Donc on a peut-être une chance de ce côté-là. Par contre, on a laissé des farfelins rebelles. Mais tant pis pour eux, je suis désolée. J'espère que ça va bien se passer pour eux. Nous, il faut qu'on reste à l'abri. D'ailleurs, est-ce que j'ai... Non, j'ai plus de torche. J'ai plus de torche, c'est ça. Oui. Il faut vraiment pas s'éloigner du feu de camp. Après, on peut aussi faire ça, hein. Retourner au bosquet vite fait. Comme ça, on passe pas la nuit dehors. Parce qu'on n'est pas très loin du téléporteur. Le souci, c'est que du coup, on se retrouve plus qu'à 38. Les rebelles. On était là. Non, pas du tout. On était là. Ça. Et effectivement, nos rebelles, on n'en a plus. Marqué rebelles 0, c'est un souci de se téléporter. Mais ça va aussi nous permettre de vider un peu l'inventaire. Éventuellement de refaire des bouilloires, vu qu'on les gaspille un peu. Il faut du... Je sais pas, j'en ai. C'est pas trop mal. Une petite lampe, ça pourrait être utile.
Mais qu'est-ce qu'on peut fabriquer d'autre? Est-ce qu'on peut fabriquer des choses avec ce genre de choses? Un objet inconnu, allons-y. Un tonifiant résistant. Ah, c'est pas mal ça. C'est pas mal, c'est pas mal. Qu'on ne faut pas non plus qu'on soit trop plein. On va faire ça comme ça. On fera des farfelins, tant pis. Hein. Je pense pas. Non, je n'ai pas assez de sous pour faire quoi que ce soit. On sauvegarde et on dort. Et on va pas traîner, voilà. Le champ du coq. On retire des farfelins. Ah ouais, du coup j'en ai perdu beaucoup. C'était vraiment pas le bon plan. Et je vais cramer tous mes derniers points pour faire des chiffres là. C'était pas le bon plan. Mais la nuit est vraiment très longue. Voilà, change ivrée. Donc, c'était des givres là que je voulais. On va essayer quand même de récupérer pour en faire des nouveaux. Hein. Voilà, donc on a dit que ici, déjà ici, ce qu'on peut faire, c'est qu'il y a un mur à casser. Et je vais mettre Kirby par là pour un petit casse. On est effectivement pas mal. Ça faut combien là? 18. Donc, avec Wake, on va lui envoyer. Si j'arrive à lui supprimer. Voulez-vous bien 6? Non, je veux des. Voilà, on lui envoie 6 chiffres là. Coucou les gars! Donc, ils vont pouvoir me casser ça. Oui, éviter d'avancer. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Non, ça c'est moi qui peux le faire, pas eux. Est-ce que je peux... Je peux pas vraiment souffler ces trucs-là, normalement. Non, il me faut Wake pour ce genre de choses. Il va me falloir 12 farfelins ici. On a vu qu'il y avait le réplicateur là-haut. Là. Allez, soyons un peu plus précis les gars. Voilà. Donc, là, on en a 12. 12, c'est toujours pas 18. Mais 12, ça me permet de faire ça. Et 12, ça me permet de faire ça. On récupère tout le monde. Je vais quand même buter ces champignons. Histoire qu'on ne se fasse pas déranger. Ça nous récupère un petit peu de loot. Du coup,
Oui, c'était l'autre que je voulais, c'est pas grave. Ça fera pareil. Donc, ça y est, on a envoyé 18 farfelins à Kirby. Et donc 18, s'il m'en faut 25, ça ne marche pas. Où est-ce que j'ai vu qu'il m'en fallait 18? Là, il m'en faut 18. Sauf que il y a la barrière. Que Kirby ne peut pas descendre ça. Dommage, hein. C'est dommage. Et qu'on peut du coup pas accéder à ça. D'accord. Oui, je les ai complètement anéantis. Faut que je regarde à quel endroit du coup je les ai anéantis. Ici, trois. Voilà, Kirby. Alors, on a 6, 12, 15. Ce n'est pas 18. Quel endroit on a une merdouille. Ici, il n'y en a plus que 4. Ok. Je vais quand même récupérer tout le monde, hein, histoire qu'on puisse avancer. Ils ont fait ça, c'est cool. Là, il m'en faut 18 et on a dit que je pouvais pas juste faire ça, ça marche pas. Voire même ça lui fait planter. Oups. Alors ce qu'on peut faire. Je pense pas avoir l'angle, ouais, je n'ai pas l'angle pour faire ça. Et ici je peux pas y aller. Là comme ça. Ça voudrait dire qu'il faut faire quelque chose ailleurs. Peut-être remonter, peut-être contourner. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que Wake peut faire, précisément? Ça grimpe peut-être, on aurait perdu un ou deux. Ah non, vous ne perdez pas des gens. Il y a celle-ci que je ne vois pas en fait, tout simplement. Celle-ci, je vois où elle est. Celle-ci, je la vois pas. Est-ce que, en se dépêchant, c'est pas celle-là? Et c'est pas ici non plus. Le galop, la noix. J'aurais pourtant bien pensé que ce serait ici, que ça se serait ouvert. Non. Ouais, du coup là je peux prendre, je sais pas pourquoi. Tout à l'heure je pouvais pas. Et les clones sont en train d'arriver à expiration. Donc il faut que je réfléchisse et vite. Si je peux pas aller plus loin dans ce sens-là. Et là.
bah je peux pas aller plus loin non plus à cause du portail. Mais c'est peut-être quand même la solution. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, ici on est directement. Ah, je peux faire ça. Cela, il n'y a pas de souci. Peut-être que les givrés. Ah, et peut-être que les clones, oui, qui ont un souci. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est on va faire. Je me dis où. On va les rendre plus invulnérables. Voilà. Ça n'a visiblement pas empêché celui-là de mourir, mais. Ah, il est peut-être invulnérable que sur cette zone-là. Ah oui, c'était peut-être pas très malin de ma part. Ouais, ce qui fait qu'on a quand même un petit peu souffert. C'est pas cela que je voulais, c'était cela. C'est pas évident quand on a. Ouais, je me fais mourir un en plus, du coup. La catastrophe. Ah, la catastrophe. Ah, jamais. Je trouve ça un peu relou quand on a plusieurs de plusieurs types. C'est que. Ça s'arrête pas forcément quand on a fini le type en fait. Et je suis pas assez attentive à ce genre de détails. On est en train de tomber. On va faire ce qu'on peut faire. Et la nuit est complètement en train de tomber. Normalement le camp n'est pas très loin. Courez, 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 courez. On a déjà fait suffisamment de bêtises comme ça. Plus que 37 orphelins alors qu'on en avait 45. Revenez les gars. Je les vois pas là, les rebelles sur la carte. J'entends des petits bruits de rebelles qui. De. Ah, punaise! Je suis pas assez rapide, j'ai pas assez de réflexes. Un petit peu notre zone de sécurité. J'aurais dû en faire un peu plus. Mais on a perdu 4 farfelins. C'est pas... La nuit est vraiment mauvaise. Compliqué. J'ai vraiment du mal à gérer cette nuit. C'est catastrophique. C'est pas passionnant, j'ai envie de repartir. Attendre toute la nuit. Il se passe rien quoi. Non,
Je repars. De toute façon, on a perdu des farfelins, donc... Tant pis, ça reset la zone, mais... Attendre toute la nuit, c'est trop long, quoi. Puis vous voyez comment je suis pas doué pendant la nuit. Je perds mes farfelins. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ouais, je sais pas ce qu'on peut faire. J'ai clairement pas assez de ressources pour que ça soit intéressant. Je veux dire, faire des farfelins en tout cas. De la camelote, ou de la camelote, au fond de la camelote. Ce sera ça pris. Lampe de fortune. Ah, ça serait bien quand même, parce que... On en a un peu besoin, des lampes. Je sens que ça va être un peu catastrophique. Là, je voulais voir combien j'en ai. Ouais, j'en ai que 7. Alors qu'on voit que c'est la zone dont on a le plus besoin. Et bon, j'ai un petit peu, donc je peux quand même en faire. Je vais en faire 10. Ça sera déjà cette prise. Je vais aller vendre ma camelote aussi. Ah, puis je vais aller récupérer ma récompense avec litière. Vous avez trouvé d'autres de mes bébés, comme je suis contente. Prenez ceci en gage de ma châtitude. C'est toujours ça le prix. Je vais vendre ma camelote. Vraiment de choses que j'ai envie de vendre en fait. Donc, potentiellement nous servir. Mais en même temps, c'est vrai qu'il n'a pas grand chose à acheter. Et je lui vends peut-être quelques trucs. Oui, les bonbons, allez, vas-y. Si. On verra. S'il arrive à nous en trouver, ces choses-là. Après tout. Je crois pas qu'on avait ramené d'objets à cette ferraille. Effectivement, non. Donc on va aller. 400 pièces, je pense que je peux rien faire. 400 pièces, je peux rien faire. On va dormir. Et on va finir ce puzzle ensuite. Donc on récupère des farfelins. On va en prendre 15 de chaque. À peu près. Voilà. Et on va pouvoir y retourner. Donc dans les champs givrés. Du coup, on va pouvoir demander à Kirby de se glisser là.
On va pouvoir, avec Quake et les Givrelins, faire Cyclone ici. Pourquoi tu te balades avec un cristal, toi? Ah! Malédiction. Un peu le souci de recharger, c'est un peu cool. Les monstres repop, forcément. Alors, du coup, il nous faut les Givrelins. Hop. Donc, Kirby, pour récupérer, j'ai un peu de thune, un peu de Givrelin. Et 6 autres, ça fait 12. Oh, pièce. Ça fait 18. Ce qui nous permet de gérer ça. Il m'en manque un, sérieux? Mon gars! Qu'est-ce que tu fais? J'ai besoin de toi. Donc il nous débloque un peu le chemin. Un peu, parce que pour l'instant, il faudrait pouvoir monter. Ce qui n'est pas mon cas. J'ai un peu du mal à voir ce que ça m'a débloqué en fait. Ah, je dois pouvoir passer par là peut-être? Sur la droite? Donc on récupère tout le monde. Tout le monde. Que je peux peut-être passer par la droite. Je vais profiter quand même. C'est pareil, du coup, j'ai pas du tout vu à quel endroit les farfelins qui se sont fait avoir géré leur pont. Et je vois pas à quoi cette chose-là me sert pour l'instant. C'est le deuxième que je vois où je vois pas l'intérêt immédiat. Où est-ce qu'on peut voir s'il y a un pont? Bah là, comme ça, je vois pas. Allez, allez, allez. On n'a pas l'air d'avoir fait de pont de ce côté-là. Ah, ici. 8 sur 16.
faudrait éventuellement trouver les autres 8 branchages. Et normalement, ici, il y en a plus. Il monte, il n'y a plus rien. Il redescend. Du coup, je peux amener White ici. On entend les copies de Kirby qui éclatent. Donc, un petit peu de loot. Il en faut combien? Il en faut 10. Ça se fait bien. Je vois qu'ici, il y a quelque chose à casser. On va donc écraser Kirby, tout à fait. Ah, du coup, j'ai pas pu lancer ma bouilloire. Je sais pas si elle est ici. Ça va faire un peu mieux. Voilà. Elle va exploser. Ça nous libère un coffre. Ce qui est cool. Et du coup, on a Kirby et Wake ensemble. Et c'est sur ça qu'on va s'arrêter. Un petit peu de galère, surtout pendant la nuit pour ma part, mais je continue à me plaire, j'espère que c'est le cas pour vous aussi, et je vous dis très bientôt pour la suite. Bye bye.